Entendez mon rugissement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans le stream de la propreté. Bientôt sponsorisé pour vous montrer des jeux délicieux d'une époque révolue. Et tout ça pour l'argent. Bob, ça y est, tu vas pouvoir rebondir de l'abandon de Webedia. Oui, oui, je vais pouvoir rebondir de la trahison corporatiste de jeuxvideo.com. Bon, techniquement, c'était JVTV, c'était pas jeuxvideo.com. J'en ai rien à foutre, Billy. J'en ai rien à foutre. Je me souviendrai éternellement de l'affront et de l'humiliation. Bref. Ah putain, on est là, on est bien. Bonsoir à tous. On est présent. Vous voulez du beublade? Allez, vous voulez du beublade? Moi, je suis sûr, vous voulez du beublade. Hein. Vous êtes maso comme ça. Vous, le beublade, ça vous excite. Ça vous parle. Ça vous fait des choses. Oh putain. Oh là là. Attendez, attendez. Vous avez pas l'image. Ça arrive. Patience. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouais, y'a pas de nunchuk, ouais. Beublade ! Metal Fusion Counter Léoné ! Avec Madoka et son Rule 34 sur le terrain. On est là, vous voulez du Beublade ? Alors là, y'a des gens qui sont en train de suivre le stream de Squeezie sur Sea of Thieves. Sea of Thieves qui, après bien une vingtaine d'années, adapte enfin le clavier souris sur Xbox One. Malgré le fait que c'est une console développée par Microsoft et que la Dreamcast avait la fonctionnalité du clavier et de la souris à sa sortie. Mais enfin bon, c'est autre chose. Wouah, Beublade ! Beublade ! Après, ce que fait Lucas, il fait ce qu'il veut tant qu'il s'amuse, moi je suis content. C'est bon. Si seulement j'avais les OPSP de Lucas, si tu veux. Le véritable argent, on est où? Ah oui, vous aviez raté ça lors du dernier épisode. Ah oui, vous aviez raté tout ceci. Vous aviez raté la trahison de Mariko. Le fait qu'elle ait fait ça parce que sa mère était championne de Beublade et qu'elle voulait devenir championne de Beublade et qu'elle voulait absolument le pouvoir moléculaire pour elle. Et c'est pour ça qu'elle a récupéré tous les Beubladeurs pour enfin développer le plus de pouvoir moléculaire et de récupérer les délicieuses données de combat. Mais qu'elle avait rejoint le camp des gentils après un petit pep talk de Jinka qui lui a dit « Non, sans déconner, tu peux pas être une méchante !»« Ah bon? Si t'es méchante, tu seras moins forte à Beublade !»« Ah bon, bah je suis gentille alors !»« Et voilà, ton Beublade est d'une puissance incroyable !» Du coup, voilà, toute une histoire la molécule, hein, toute une histoire. Est-ce qu'on se souvient comment jouer au jeu? On se souvient qu'on en avait chié hein, face au cyborg des données de combat. Ah oui, il y avait ce gars aussi, on sait même pas qui c'est. On a le wolf, allez, un petit coup de haou. Un petit coup de haou pour se mettre bien. Pour se mettre bien, pour se mettre bien. Blade. Ouh là là. Oh, je sais plus jouer. Je suis en bleu, hein. Pour ceux qui savent pas ce qu'est Beublade, c'est des toupies qui se battent. Le but du jeu est de les sortir du terrain ou de réduire leur énergie à zéro. Ma vie est en haut à gauche et moi je suis en bleu. C'est la fin des explications. Maintenant, regardez les dragons, les loups et les explosions. Ouh là là, attention. Hop là. Tac, ça heurte. Ah, il double heurte. Il essaie de m'expulser, bien joué. Ah wouh. Allez le chat. Ah wouh. Le loup. Le loup. Ah wouh. Oh là là, ça c'est bon. Et en plus, je l'humilie, parce qu'il n'y a que ça. Victoire. Victoire. Alors, à ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe sur le chat et qui n'ont pas vu les autres lives, si ça dit « Ahou », c'est parce qu'il y a l'attaque spéciale du loup. Dans Beyblade, en haut à gauche, en dessous de ma barre de vie, la barre bleue, il y avait une barre jaune qui est une barre de super. Tu peux en utiliser, elle est comprise en trois parties, en trois morceaux, en trois barres de super, enfin, trois petites sous-barres de super. Tu peux en utiliser une pour utiliser un super pouvoir de ta Beyblade qui va augmenter sa vitesse, son endurance, sa taille, sa résistance, son déplacement, le fait de repousser les autres. Mais si tu as les trois barres, tu peux faire l'ultra, donc l'ultra attaque comme dans Street Fighter, et là ça sort les animaux du chevet de Zodiac en fait. Moi j'ai pris le loup, parce que le loup c'est sympa, et surtout qu'avant de faire sa némétique, le loup il fait « Ah wouh !»
comme ça à la lune. Et c'est à vous, les enfants. C'est complètement à vous. Voilà, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme autre... ça, c'est le Pégase, je crois. Non, le Kirin. Ça, c'est à vous. Ça, c'est la même. Hein. Le Kirin, il est bien. Hein. Et ça, c'est à vous encore. Faudrait que je les customise, quand même. Celle-ci, elle est très, très offensive. Elle est très, très offensive, celle-là. Je vais changer son... qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui mettre le Pégase, mais on s'en fout. Ah, il est lame de fonce pour la défense. Innombrable bélier, non, on s'en fout. Le lion. Le lion, c'est pas mal. Chilzama, ça c'est le bouclier. Les dauphins. La girafe. On va mettre le lion. Le lion offensif. Alors celui-là, il est très agressif. Pas beaucoup de spin, un peu de défense, un peu de weight. De la way. Ouais. Sagittaire, mais Sagittaire, c'est pas sexy. Excusez-moi, je réfléchis encore aux attaques qu'on y met. Quoi qu'on peut mettre le lapin. On a le lapin. Ah oui, on a le lapin. On a le pan. Oh la vache, on a le lapin. Bah oui, mettre le lapin orbital. Voilà, pour celui-là, c'est le lapin orbital. Attends, on les organise, on les organise. Celui-là, il est full défense, on est d'accord. Il est full défense. Donc ce sera pas la licorne, ce sera... Ah, j'ai envie de mettre le lapin orbital pour lui, hein. Tu me diras si ça fait du sens. Hein. Lapin orbital pour lui, voilà. Lapin orbital pour lui. Ça c'est full attaque, full stamina, peu de spin. Donc grosse attaque, grosse stamina, qu'est-ce qu'on lui met, surtout avec la gueule qui tire. Quelles attaques on lui met? Pas le pan, on va lui mettre... On peut lui mettre le Léo, hein, il est agressif, ouais. Je l'ai refait. Hein. Donc lui, qui est full défense, on lui a mis le lapin, mais c'est une erreur. Ça, le Linkat. Il a la licorne, c'est cool. Ça, ça a le loup. Et ça, le... Ah voilà, c'est ça. Cet Aquario qui a une bonne attaque, bon mouvement, bon spin, bon weight. On va y mettre le pan. Voilà, impeccable. Et en plus, il est fabuleux. Il est fabuleux. Est-ce que j'ai un meilleur ring? Un ring qui est encore plus fabuleux, si tu veux. Moi je cherche un ring qui a pas mal d'attaques si vous voulez. Et qui soit joli aussi, un truc qui est un peu chatoyant. Ouais, c'est pas mal ça. Quoique le lapin rose, il a encore plus... Il y a une attaque de fou dessus. Allez, va pour le rose. Allez. Allons-y. Tu as niqué tes stats, Bob, fais pas le con. Mais non, mais il faut que ce soit joli. J'ai aucune chance de perdre, je suis invincible. Oh là là, lancer parfait. Oh, le lancer parfait. Je suis la toupie rose avec la traînée bleue. Voilà. L'important, c'est de rester prêt et de pas se faire éjecter. Là, il y en a déjà une qui meurt. Voilà, elle est morte. Il a raté son attaque. Oh, il bouffe! Le pan! Oh, le glouglou! Oh, le beau! À
Ah, c'est Léon, le... Léon, Léon, j'avoue. Alors par contre, il y en a un dans le chat qui a fait « Ah wouh !» Il a pas compris. Le mec, il était au taquet, il a raté. Le pan imite un dindon, on s'en fout. Ah, il est mort, là. Il se fait téléporter en bord de piste, mais ça ne nous sauvera pas. Victoire. C'est vrai que c'est Léon, Léon. Léon, Léon, Léon. C'est ça. Crane est fier de toi, c'est beau. En même temps, il n'y a pas de dindon. Hein. Il n'y a pas de dindon qu'on est obligé de faire comme ça. Excellent. Est-ce que vous êtes prêts à la suite de l'histoire, brave Jean? Et si vous n'êtes pas prêts, eh ben, c'est pareil. On a envie de dire qu'on n'a pas été ici pour souffrir, mais on se fait souffrir quand même. B-Machine, je les ai tous faits. Ouais, ça me dit que j'ai tout fait. Est-ce que j'ai fait les B-Machines des étages inférieurs? Non, putain, EX, c'est pas terminé, ça. Qu'est-ce qui manque? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ouais, Léoné défensif, quoi. Sinon, ça passera jamais. Allez, on va prendre le lion. On va bourrer le... Allez. Ah wouh! Oh, le lancer parfait. Ah wouh! Ah, il est trop loin. C'est pas grave. Ah là là. Il est juste trop mobile. Enfin. On commence à la mocher, enfin. Ah, je me fais vider. C'est pas grave, c'est pas grave, on a toutes nos chances. Oh, la super attaque. On ira pas loin si je continue de courir après comme ça. J'ai fait la droite, putain, je me suis fait envoyer. Ah, je viens de me faire mal à l'épaule. Il va falloir y aller doucement. Allez. Ah wouh! Ouais, c'est un bon lancer, ça, dès le début. C'est pas mal. Ah putain. Allez, ok. Ouais, pas mal, ça. Je tiens! Ah gros gros! Prends ça! Le rugissement de l'éjaculation du lion! Oh! Et voilà! C'est nul, mais ça marche! Putain de... Steve bâtard! Enfin! J'ai failli me faire sortir, d'ailleurs. Et je me suis fait sortir par ça! Ça passe. Ça passe, c'est qu'un robot, ce truc. C'est de la merde. Allez. Ah ouh, trop tôt, je pense. Mais là, ça passe. Allez. Ah ben je me suis fait vider, j'ai même pas vu. J'ai failli me faire sortir, se fait immédiatement sortir, j'avoue. J'avoue, c'est l'instant karma. Il faut être plus agressif avec les machines. Y'a que ce moyen de gagner. DJ Tornado, quelle saleté, putain. Qu'est-ce que j'ai de plus agressif? J'ai rien de plus agressif. Alors, aussi joli que soit le pan, on va le refaire. Et là, ce coup-ci, on va jouer l'attaque, si tu veux. Comme qui dirait, jouer l'attaque. Il me faudrait l'Aquarius. Aquarius, c'est bien ça. Allez, l'attaque. Qu'est-ce qui fait le plus d'attaque? 2400, c'est pas mal. Et ça, c'est plus de spin, moins de def. Très bien. Ok. La roue. 2600, c'est pas mal ça. 3000, pas mal ça. Le track.
Donnez-moi un track d'attaque. Oh, c'est bien ça. Le type. Ça peut tout changer, le type. Oh là là. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Le dauphin, c'est garanti. Mais le dauphin est ridicule. Je m'en servirai jamais, si tu veux. Allez. Oh, je te tiens. Oh, je me tiens. Oh, le beau. Oh là là. Combien il y a de toupies sur le terrain? Il y a 29 toupies sur le terrain, ça va trop vite, c'est un raz-de-marée de toupies. C'est ridicule. Mais putain, on y était presque. Pas mal là. Ça compte pas comme un super tir, c'est parce que j'ai pas hurlé dans la Wiimote. Hein. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de micro dans la Wiimote, ils disent de la merde. Ils sont allés sur Wikipédia et Wikipédia vous ment, les enfants. Wikipédia ne dit pas la vérité sur tout. Il y a beaucoup de sites et beaucoup d'événements historiques sur Wikipédia qui sont pas, mis à jour de manière correcte ou de manière respectueuse des faits. N'oubliez pas ça, c'est pas parce que le savoir est centralisé qu'il est forcément réel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mec qui place des red pins pendant l'épisode de Beyblade. Oh oui. Oh oui. Ouh, c'est passé. Ah, bloop bloop. Ouais, bloop bloop, ouais. Bloop bloop, c'est valide. Allez, allons-y. Ouais, Aquarius, ouais. Aquarius, c'est bien pour les robots. Oh là là, le super tir. Il a perdu déjà 20% de sa vie. Ah non ! C'est pas grave. Oui, c'est ça, Wikipédia est pas fiable, les enfants. C'est intéressant, mais c'est pas fiable, surtout sur l'aspect historique de la chose. Posez-vous des questions, pourquoi on vous apprend pas l'Empire Byzantin à l'école? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi on passe plus de temps sur l'affaire Dreyfus que sur les Carolingiens? Réveillez-vous. Mais qui parle mal? Oh putain, oh non. Mais arrêtez de vous réveiller, vous sortez ma Beyblade. Ah, oh, je vous déteste. Retournez chez Squeezie. Retournez chez Squeezie, cet instant, allez-y. Partez. Partez, ce stream n'est pas pour vous. Ici, c'est un vrai stream d'intellectuel. Oh là. Oh oui. Oh non. Oh oui. Oh non. Oh. Terlana sur le chat qui est là, faudrait savoir ce que tu veux. Et si tu te demandais la question, tu te posais la question de savoir ce que toi tu voulais, ne sois pas un mouton. Oh non. En plus, je me fais toujours sortir par le même endroit. Hein. Ce trou dans le mur, il est démoniaque. Hein. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai essayé de fuir. Il veut pas. Ok. Alors, je vais essayer déjà de, voilà, de changer mon angle. Oh oui, je te tiens. Allez, à blue blue. À blue blue. Blue blue. Oh le blue blue. Oh le blue blue. Putain, il est mid-life. Mid-life, hein. Il déconne zéro. Hein. Oh. Ce toupie robot qui est là pour me violer la bouche. Hein. J'annonce, hein, il a été conçu pour le plaisir de Madoka. Hein. Tu le mets dedans et tu tires la bite. Pas de super pouvoir, hein. Madoka,
Il nous a abandonné. Non, non, non. Voilà. Désaxe-toi. Voilà, je suis désaxé. Non, non. Oh, non. Oh, oui. Oh, non. Ma toupie, c'est celle qui a une traînée bleue, toujours, les enfants. J'aime la bite. C'est bon, la bite est revenue. Pouvoir de la bite. Oh non. Oh non. Mood Masaka. Non Mutadais. Ouh. Ouh. Ouh Mutadais. J'avoue. On y croit. J'aime la bite. Oh, il est super lancé. On aime la bite. On aime la bite sur Fantabob Games. Oh putain. Oh non. Ah. Oh. Ah. Oh. U. Ah. Ah. Oh l'ultra. Allez, c'est gratuit. On peut pas fuir. Allez. A glou glou. A bloup bloup. A bloup bloup. La faciale. Une faciale de Boblad. Attention, attention à pas se faire sortir comme de la merde! Bon. Ok. Stratégie alternative. Stratégie alternative. Tiens, tu bouffes. Allez, un bleu bleu. Full un bleu bleu. Full un bleu bleu. Combien ça fait de dégâts? Rien du tout. Est-ce que leur visée... Est-ce que ça fait vraiment des dégâts? Est-ce que ça le fait vraiment des dégâts? Ah blue. Ça a pas l'air de faire des dégâts, hein. C'est au nombre de fois touché, pas aux dégâts. Ah putain! Ah l'icona, c'est divin! Ah! Et perdre sur cette... sur ce timing nul. C'est au nombre de fois touché, très bien. Bon, bah on va tester. Hein. Allez, on aime tous! La bite! Oh, il est super lancé dès le début. Allez. Voilà, plus de contrôle. Oh, kakakachinaze. Oh là là. Ouah. Bon. Plus d'attaque, ouais. Allez, on y croit. C'est un début de stream de la propreté. Je suis désolé pour ceux qui regardent les rediffs. Il y aura l'histoire très bientôt. Dès que j'ai vaincu ce robot de mes deux. Pensez tigre bois. Voilà. Je réinitialise, c'est fait exprès. Ah, ça fait un coup, c'est toujours un coup. Mais
Alors je suis pas sûr que ce soit au nombre de fois touché, hein, mais allons-y. Je pense qu'on me dit de la merde. Hein. Je pense qu'on me dit de la merde, mais bon. On va essayer. Regardez, ça lui a fait zéro dégâts, ça. Ouais, ouais, non, non. C'est pas... Je viens de prouver devant vos yeux ébahis que c'est pas au nombre de coups touchés, mais que c'est bel et bien un nombre de points de vie. Absolument. Parce que là, je lui ai fait autant de dégâts. Enfin, j'ai fait plein d'attaques et il a pas perdu un PV. Donc ça vous prouve que c'est vraiment qu'une question d'attaque. Hein. Non, non, c'est pas au nombre de fois. Hein. Non, faut être offensif, c'est tout. Hein. Y'a que ça. Hein. Y'a que ça. Hein. En tout cas, cette musique, on ne s'en lasse pas. Bon, c'est une question de chance, hein, écoute. On va la jouer la luck et puis on va espérer qu'il se passe des belles choses. Voilà, sans trop espérer non plus. Non, 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 j'ai fait droite! Je vous jure, je l'ai vu! Yalla, putain! On va pas se focaliser. Je regarde même plus l'écran pour être sincère. Ouais, ouais, autant. Pense tactique. Faut rester à l'intérieur de la toupie, sinon tu t'envoles. Ouais, non, je sais. Faut rester à l'intérieur, mais c'est difficile. Alors, c'est trop, toi, là, c'est n'importe quoi. Voilà, mais c'est difficile de garder un contrôle. Voilà, tu vois, il peut se passer des trucs comme ça. Il peut se passer des choses comme ça et c'est juste pas possible, si tu veux. Bon, allez. Oh là là, j'ai failli me faire vider dès le début. Je me suis fait adokéniser. Je me suis fait bouc. Bah super, méga lancé. J'essaie de rester pas dans les coins, mais... Ok, ok. Genre, c'est pas facile, hein. Putain, mais mes volets qui claquent. La flip. Oh, le contrôle. Oh non. Oh non. Oh non. J'avais fait un truc, me dégoûter. Allez, on y croit. On va pas passer toute la soirée sur ce robot. Si. Oh non. Oh non. Ah, mais je me fais putain.
Bon, allez. Oh là là, j'ai failli me faire vider dès le début. Je me suis fait adokeniser. Je me suis fait bouc. Bah super, méga lancé. J'ai essayé de rester pas dans les coins, mais... Ok, ok. Genre, c'est pas facile, hein. Putain, mais mes volets qui claquent. La flip. Oh, le contrôle. Oh non. Oh non. Oh non. J'avais fait un truc, me dégoûter. Allez, on y croit. On va pas passer toute la soirée sur ce robot. Si ? Oh non ! Oh non ! Pourquoi t'as rebondi comme ça? Il faut bourrer! Compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon. On y croit. Beublade. Je relancerai le stream après ça pour faire une VOD clair. Enfin, une VOD, une cut dans la VOD super, de manière à ce que les gens sur YouTube n'aient pas à voir ceci. Enfin, ils pourront s'ils voudront, mais comme ça au moins les lives de Bob Lennon vont pas se faire chier à faire des montages effarants pour montrer 30 minutes de combat de beublade contre un cyborg du cul. Cyborg du cul. On recommence. Allez, super lancé là. Oh oui, oh oui. Oh oui. Oh non. Allez, hyper vitesse! Ah, tu peux pas me sortir, j'étais en Super Saiyan. Je suis invincible au début. Calme le jeu, calme la tendinite! Moi, non! Ah,
wou 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 wou. Pardon, excusez-moi. Alors là, on est content. On est content. Ouf. Non, c'est pas Turrican, c'est Jim Power, les enfants, hein, mais oui. On est content, on est content, on est content. Oh voilà, terminé. Oh, ouf, ouf. Délicieux. Est-ce qu'on a fait le robot ici? SP, c'est terminé. Madoka, elle est terminée, elle a toujours été terminée, Madoka, si tu veux. Et là, Ned. B-Machine. On y retourne! Blood! Blood! Alors normalement c'est des B-Machines de level 1. J'ai toutes mes chances. Bon, ok. L'intensité est pas la même. Hein. Tout de suite, c'est tout de même plus simple. Hein. 200 B points. Incroyable. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Putain, alors. Si on pouvait désactiver le motion control sur la Wii U. La Wii, en fait, deviendrait tellement une bonne console si on pouvait enlever le motion control. Pour tout, en fait. Parce qu'évidemment, je suis le seul connard d'enculé de fils de chiacal en France qui se balance. Et donc pour moi, les motion control, c'est un rêve, je trouve. Un rêve qui n'arrivera pas. Oh, il est vénère, lui. Oh là là! Oh, il est vénère, puis il est calme. Oh là là! Oh là là! Ça marche pas. Mais non, mais... Eh ben putain, compliqué le pouvoir de l'amitié. Hein. Nouveaux éléments Beyblade sont disponibles, merci. Comme quoi j'avais raison. Mon instinct avait raison, chers amis. Des nouveaux éléments Beyblade? Mais bien sûr. Qu'est-ce que... Le Serpentaire. Stylé. J'achète 3000 BP. Eh ben putain. S'il y a d'autres éléments. Typhoon, c'est pas mal, hein. Typhoon, c'est pas mal, hein. Pas de nouveau track. Des nouveaux types. On aime les types. Non, pas de type. Très bien. Bon, il faut faire une toupie snake.
Customisons une toupie Schneck. Personnaliser. Ouais, on va customiser l'aquarium. Oh le Schneck. Je regarde juste ce qui est dispo. Hein. On dit qu'il y a un gros cristal bien défensif et bien mobile. C'est pas si mal. Hein. C'est assez équilibré même d'ailleurs. Quoique une petite toupie discrète comme ça, moi j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas puissant, gros déplacement. Alors après le trap peut changer sur la stamina aussi. Ah, pas la stamina, pardon, le spin et la def, ouais voilà. Ça c'est la hauteur du meublade. La 90, conçu pour l'attaque parce qu'elle est vachement basse. Alors que si je faisais ça, ça baisserait énormément. Mais là on reste à 2000 et ça augmente de 10 la stamina. Là ça augmente le weight un peu, mais c'est de la merde. Non, le type si on change. Ouais, j'ai un type d'attaque. Hein. Le type qui fait le taf. Hein. Mais ça augmente grave la stamina, mais ça descend énormément le mouvement. Dur à renverser, que ça dit. Non, il est bien. Il est bien. Non, j'ai pas encore mis max en vidéo de début. Non, navré. J'avoue que c'était goldé. Bon, du coup, paniquez pas. Je coupe la VOD, je reviens et on recommence la propreté. Vous êtes prêts? Pouf pouf. Bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue dans le stream de la propreté. Cela fait déjà une demi-heure que l'on a commencé et je relance la VOD pour tous ceux sur YouTube qui ne voulaient pas voir le combat contre le robot durer et s'éterniser pendant une demi-heure. C'est fait, la suite de Beblad. Oh, la suite de Beblad directement avec Madoka et ses pulsions sexuelles inarrêtables. Voilà. J'en connais des gens comme ça. Inarrêtables. Pire que ça. C'est la violence. Hein. Kakiru, le petit lion, dans le White Square Stadium, alors qu'on a déjà récupéré un nouveau Beblad. On est parti sans pitié. On est là. Krabby ? L'heure de la revanche a sonné, Krabby ! Bien joué, Kyoya. Je ne pensais pas que t'arriverais aussi loin. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut croire que les ordures attirent les ordures. À partir de maintenant, je serai le chef des Face Hunters. Je t'ai déjà dit que tu pouvais avoir les Face Hunters pour toi tout seul, minable. Mais il faudra peut-être que tu vérifies qu'ils existent encore d'abord sans moi. Jinka a gagné. Cette petite merde croit trop à sa propre hype. Mais cette fois, je vais tellement rayer ton peuplade que tu me supplieras d'arrêter. Tu me fatigues avec tes manières de crabe, Tetsuya. Arrêtez de discuter et battez-vous, merde. Prépare-toi à te faire pincer! Kyoya! Je suis avec toi! Ce midi, c'est sashimi! Non, faut pas dire sashimi. Faut dire. Comment s'appellent les trucs au crabe? Il y avait des pubs comme ça à une époque. Des espèces de rouleaux orange au crabe dégueulasses. Surimi! Voilà, c'est ça! Ça faisait longtemps que j'attendais de faire un combat en double avec toi, Kyoya. Ouais, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Personnellement, j'ai toujours envie de me faire teamer par toi, tu sais. Eh ben, c'est vachement gay tout d'un coup. Je vois pas de quoi tu parles, c'est pas du tout mon fétiche. Ils forment une bonne équipe. Tu crois qu'en vous mettant ensemble, ça a changé quelque chose? Absolument pas. On a déjà affronté une crabondance de double ensemble, ça n'a jamais rien changé! Une équipe de perdants est une équipe qui perd! Oui, Kyoya, c'est une bonne définition, Kyoya. T'as raison, tout ce qui importe dans le combat, c'est l'amour du Beyblade! Et la victoire? Oui, et la victoire aussi, bien sûr! On ne reculera devant rien pour vous battre!
Personne n'arrête le roi des animaux! Espèce d'abruti, ce n'est pas un lion, c'est une toupie! Crevez-y! Tant que le Beyblade tourne, il y a de l'espoir! J'ai fait des comebacks pires que ça avec des vols de victoire à l'arraché en balançant des dragons sur le terrain! C'était pas des dragons, c'était des cailloux! N'empêche, c'est l'amour du Beyblade qui... Allons-y. Eh ben prenons le serpentaire, allons-y. Krabibi ! On le super lancé. Je comprends rien. Il faut buter le vert. Non, le jaune. Oh, il m'a eu. Oh, il m'a raté. Oh, le nul. Oh, je te... Ah, d'accord, c'est horizontal, ok. Good to know. Tu crois que ça va te sauver, minable? Oh. Krabibite, j'ai perdu. Allez. Ouh, les super tirs dès le début. Quel bordel quand même sur ce terrain. Ah, je me suis fait sortir. Ah non, vas-y, Kyoya. Kyoya, sauve-nous. Kyoya, s'il te plaît. Il a aucune chance face à Kakeru. Oh, Kyoya! Kyoya qui vole le terrain! Un gros coup! Kyoya, putain! Ah, ça suffira pas, malheureusement. Oh! Non, ça suffira pas. Non. Dommage, très bon clutch de la part de Kyoya. Très bon clutch de sa part. Un partout, balle au centre. Krabibi, ta gueule! Ah, trop tôt, peut-être. Tiens! Le schneck! Ass! 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 Voilà! Non! Attention au jaune. Oula, le crabe. Enfin, le crabe a été sorti déjà. Non, je l'ai raté. Tant pis. C'est difficile en horizontal, je trouve. Plus difficile qu'en vertical. Ouais, ok, c'est cool. Victoire. J'avoue, le si, il est sympa, hein, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être Asli... Comment il s'appelle ce grec qui utilisait le bâton? C'est... Attendez, excusez-moi, des B-points. C'est Asclepius. Je crois qu'il s'appelle Asclepius, on me dit, voilà, très bien. J'arrive pas à le prononcer, c'est Asclepius, voilà. Celui qui utilisait un serpent dans son bâton comme symbole de soin. Avec Mercure et tout, normalement. Enfin, Mercure, Hermès. Oui, non, c'est pas ça?
On dit Asclepios. Putain, ils font chier ces Grecs, ils cassent les couilles. Bouah ! Maintenant, vous savez de quel bois se chauffe le roi des animaux ? Eh ben, en se léchant les couilles comme tout le monde. Ah non, tu m'as encore humilié. J'ai encore raté une occasion de devenir le chef des Face Hunters. Mais ils n'existent plus, les Chef Hunters, pourquoi tu casses le... Désolé de te décevoir, mais les Face Hunters dont tu rêves tant n'existent plus depuis longtemps. Qu'est-ce que tu racontes ? Le groupe a été dissolu. Mais, tu bluffes ? Non, ça a été décidé par la... par la réunion du Conseil Général. Alors les Face Hunters n'existent plus. Oui, regarde le catalogue de l'ordre du jour du 29 novembre. Ne t'excuse pas, tu commences vraiment à devenir un gentil petit saint. Et pourquoi tu créerais pas ton propre groupe, hein, crétin ? Ah non, c'était le fait qu'Ioya soit le chef qui faisait des Face Hunters ce qu'ils étaient. Je voulais prendre sa place, le reste ne m'intéresse pas. Mais du coup, si t'avais pris sa place, les Face Hunters auraient pu être ce qu'ils étaient. C'est un scénario pour enfants, ok ? D'accord, d'accord. Tu sais ce que t'es ? Quoi ? Un tordu ? Non, un PD ! Pas vrai, Benke ? Je ne me mêle pas de ça. Bon, mais j'imagine qu'il en faut un pour en reconnaître un autre. Bon, y'a plus que le surimi. Rémi ? Ah ! Attention ! Derrière vous ! Le Krabibi ! Le Doji ! Pourquoi il tombe pas dans le panneau ? Et si j'essayais ça ? Oh, regarde ! Regarde ! C'est ma bite ! Tu mens ! Mytho ! Menteur ! C'est une blague, hein ? Moi, je ne vois qu'un surimi. Ça ne marche plus, t'écouter, tes trucs débiles ! Je suis désolé. Répète ! Je tiens à m'excuser, je rayerai plus aucun Beyblade, plus jamais ! Pardonnez un pauvre crâne ! T'es sérieux ? Mytho ! Ouais, c'est ça. Bah, j'y crois pas une seconde. Hein. J'y crois pas un seul instant. Eh ben, on dirait que tu joues de malchance. Tu connais cette expression, toi ? Ta gueule ! Je suis absolument sérieux ! Je veux cramer tes oreilles et... Cette session au Haut Conseil, ce jugement... Absolument sérieux, je vous dis, je veux cramer tes drayés des bébés. Très bien, t'as l'air tellement sincère, je t'accorde le bénéfice du doute. Eh ben, ça c'est un changement de la justice façon Nicolas Sarkozy, hein. Merci, j'oublierai jamais à quel point vous avez été cramé gentil avec moi. Je sais, et si je réduisais en miettes quelques robots bladers pour vous? Je reviens tout de suite. Eh ben, il a dit Gary Pierre, on a rien de temps. Et papa, elle est bien loin tant qu'on aura pas ramené ce machin sur Terre. Et toi, tu comptes faire quoi ? Eh ben, je compte pas me joindre à vous sous prétexte que tu m'as battu. Déjà, j'ai pas le physique d'un protagoniste. Ouais, je m'en doutais. T'as pas assez de ceinture et de fermeture éclair, à mon humble avis. Un jour, je t'affronterai à nouveau. Ha ! C'est ça ! Va falloir montrer un peu plus de ton nombril si tu veux espérer me battre. Des nouveaux éléments de Beyblad ! Oh ! Nouveaux éléments de Beyblad. Est-ce que j'ai le Krabibi ? Pas le Krabibi. Quels sont les nouveaux éléments de Beyblad ? Oh, c'est-à-dire... Oh, oh, oh ! Bloque toutes les attaques du bas grâce à un grand anneau. Sympa. Ah, j'ai juste gagné un grand anneau, tu me diras. Alors c'est lui qui est défensif. Ça augmente ma stamina mais ça réduit. Défense 992, 840 et plus de stamina. Pour 20 points de stamina je perds du spin et de la défense. C'est dommage parce que c'est charisme. Mais bon ça j'imagine que ça défend mieux. Oh là là, Eternal White!
Il est pur. Ouais, ça, ça défend un autre. Ouais, ça défend. Ça défend, ça défend. Bonsoir, ami Blader. Qu'est-ce que j'ai raté? Eh ben, j'ai battu le petit lion. Et du coup, Krabibi a été vaincu aussi. Tsubasa, l'aigle. Tsubasa, ça veut pas dire plume. C'est comme si l'autre, il s'appelait Griffe Lion, si tu veux. Et puis... Tsubasa, c'est pas un nom de gonzesse, comme Camille. Mais Bob, et Capitaine Tsubasa... Je dis pas, hein, c'est quand même Capitaine Camille. Hein. C'est une meuf? Qu'est-ce que je fais comme voix? Camille, c'est aussi un nom de mec, Bob. Le déni. Je déconne. C'est un mec. Bon, on va lui faire une voix sérieuse. Vous devez être les nouveaux bladeurs de cette zone, j'imagine. Qui es-tu? Laisse-moi deviner, un ersatz de la couille gauche de Zephyros. Le pouvoir moléculaire, attends voir. C'est pas de ça qu'on parle, connard! Peut-être que je ne suis qu'un autre bladeur qui a été aspiré dans cette forteresse, mais peut-être pas. Putain, il nous écoute pas, cet enculé! Serait-ce donc Jinka Agane que je vois là? Tsubasa! Ça faisait longtemps. Nos chemins ne se sont plus croisés depuis ce tournoi, il me semble. Tsubasa? Oh non, pas le Tsubasa! Je suis fan! Je regardais le foot depuis que j'étais petit! Ta gueule, c'est pas lui, c'est un bladeur, il a affronté Jinka lors de la finale des Blades éliminatoires! Les Blades éliminatoires? Ouais, c'est comme ça que j'appelle ça les éliminatoires des tours de Beyblade, tu sais, parce que c'est un mélange entre bladeurs. J'ai bien compris, mais c'est débile! Non, ta gueule! Regarde un peu, ma réputation précède. Désolé, mais là on n'a pas le temps de faire ce combat pour le plaisir. Si tu veux ta revanche, tu vas devoir attendre qu'on soit de retour sur la terre ferme. De mon côté, je possède deux informations très importantes qui vont t'intéresser au plus haut point. Alors, Jinka? Écoute, c'est simple. Bats-moi et récupère la récompense. Mais tu as peut-être peur que je ne te ralentisse? Puisque c'est ainsi et que tu me provoques, je vais être obligé de t'affronter, Tsubasa. Ne serait-ce que pour cacher l'érection étrange que mon corps change et... Voyons, si le célèbre Jinka Agane est devenu plus fort depuis notre dernier combat, c'est uniquement grâce à ma nouvelle tenue. Je... Un combat en un contre un, ça faisait longtemps. Ce type est différent des autres bladeurs qu'on a rencontrés jusqu'ici. Oui, il a l'air prêt à mettre la langue, si tu vois ce que je veux dire. Baisse pas ta garde, Jinka! Mon partenaire, à la vue perçante, a choisi sa nouvelle proie. Tu n'as aucune chance d'y échapper. Je ne compte pas perdre contre un connard qui se met de profil et qui a un pif tellement énorme qu'en visage trois quarts, t'as l'impression qu'il pourrait... qu'il pourrait tailler un Beyblade dans du granit! Beyblade! Extrême défense lapin! Shield! Putain, c'est une savonnette ici! Pourquoi ça glisse autant? Ah ouais, bon d'accord. Fait quel bruit un lapin! Laser! Pion! Ah!
mais il m'emmène mon Beyblade hors du terrain, c'est dégueulasse. Allez, pion pion pion. Voilà. Ha. Je l'ai eu à l'attrition, cet enculé. Et voilà! Facile! Oh! Les B-points! Les B-points! Alors, ça, c'était un bon combat! Impressionnant, tu es encore plus fort qu'avant. Je t'accorde cette victoire. Arrête de faire comme si tu m'avais laissé gagner! Ah, je voulais pas te vexer. Peu importe, une victoire est une victoire! Tout à fait, j'ai perdu, c'est vrai. Je pense que tu es prêt à prendre ceci. Il possède le pouvoir de détruire le Beyblade interdit, El Drago. Qu'est-ce que c'est? On dirait un élément de Beyblade. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Cette forme, c'est... Bordel de pute à queue. C'est le Fusion Wheel de Pegasus. Quoi? Vraiment? Génial. Et ben enfin... Putain de bordel, on l'a enfin retrouvé. C'est pire que dans Vesperia quand tu dois aller chercher Adaqua Blastia que tu récupères qu'à la fin du... J'espère qu'il va sans dire que je ne l'ai pas volé. Je l'ai trouvé par terre, sans déconner. On s'en fiche, tout ce qui compte c'est que je l'ai récupéré. Y'a rien à rajouter. T'as de la chance, si tu m'avais pas convaincu que t'étais un véritable Blader Storm. Un quoi? Un Blader Storm. Un... Blader je connais, mais Storm? Tu sais, un Blader Storm quoi. Non, qu'est-ce que c'est? Eh ben, d'abord, tu commences par lancer une Beyblade. Ouais, ça je sais, ouais. Ça fait de toi un bladder. Ouais, si t'as une bonne relation avec ton Beyblade, ouais, ça fait de toi un bladder. Très bien. Et Bladder Storm? Eh bien, si t'as de bonnes relations avec les bladders, Je te suis pas. Tu vois ta toupie? Ouais. Elle tourne. Ouais, ok. Bladder. Ok. Bladder Storm? Ouais. Tu vois les bladders? Ouais. Ils tournent. Genre, ils font des tournantes. Oh! Ah! Oh, voilà, je vois que t'as compris. Ouais, je... je... ok, ouais. Je te l'aurais pas rendu. Ah bon? Quel connard! Heureusement que t'as gagné, dis donc. J'ai enfin réussi. J'ai tous les aimants de mon fidèle partenaire. Ouah! Oh, bien joué, Jinka! Si on pouvait rentrer chez nous maintenant. Ça aura mis le temps. T'étais pas là depuis le début, connard, te plains pas. Laisse-moi juste te donner un petit conseil. Il est ici aussi, le détenteur du Beyblade interdit, El Drago. Je le savais, Doji n'est pas seul, Ryuga est ici aussi. Je l'ai affronté juste avant notre rencontre, il est plus fort que jamais. Il faut que je file maintenant, il doit bien avoir un moyen de faire redescendre cette forteresse à la con sur la Terre. Jinka, tu vas pas l'affronter? Bien sûr que si, mais chaque chose en son temps. On doit commencer par mettre fin au plan visant la domination mondiale. Mais si jamais on tombe sur Ryuga? Si c'est le cas, on le pénètre. Façon Blader Storm. Je dois le vaincre, je dois l'éliminer. On sait, hein. Ça va, t'es un protagoniste. On l'avait deviné. Ouais, t'as clairement assez de ceinture sur toi et une coiffure assez chelou pour mener ce combat à bien. Tu n'es pas en reste, toi, avec tes cicatrices. Allez, je m'arrêterai pas tant que je t'aurais pas vaincu, Ryuga. Pas tant que je t'aurais pas fait mordre l'oreiller. Ryuga de Mentelimar. Je l'achète, mais parce que c'est joli, hein. Mmh.
Oui, non, oui. Oui. Voilà. Demande à Madoka de t'aider à devenir un Bladder Storm. J'avoue. On va le défaire, lui. Pegasus M. Ça ressemble à ça, le bébé de l'autre débile. Crack blues. Le track bleu avec le plus d'attaque. La type bleue et rouge, Bob. Ah. C'est ça? Le combo du bas, c'est 105 RF. Ah. Ok, 105 RF. Donc voilà, c'est ça, type RF, ok. Donc S Pegasus, 105 RF. Donc c'est ça, ça toupie. Hein. Bah putain, c'est de la merde. Enfin. On va se plaindre. On va lire. Ouais, multi-battle, allons-y. Merde. Avec la fameuse nouvelle Pegasus, incroyable. Allez, j'aime la bite! Ça marche! Oh là là! J'ai vidé mon pote, j'ai l'impression quand même, hein. Je tiens! Cataclope, cataclope! Cataclope, cataclope! Pegasus! Joli! Eh ben, c'est pas top, hein. Le pan est carrément plus pété, si tu veux. Par contre, elle fait super mal, j'avoue. J'avoue. Allons-y. Mamoru le bouclier. Ah oui. Toujours ce débile. Allons-y. Humilions-le avec la plus grande épée qu'il puisse connaître. Toi Rebouche. Alors je fais très mal la voile de Dexter. Tidi, sors de mon laboratoire tout de suite. Je le fais très mal. Allons-y. Rebonjour, Kenta. Alors voyons si tu es vraiment doué pour analyser les meublades. Si je passe de là lors de mes expériences, je pourrais faire partie des Dark Nebula comme vous me l'avez promis. Mais naturellement. Et si tu bats Kenta, Yumiya et Jinka Agane, bien entendu. Désolé les gars, mais vous avez entendu ce qu'il a dit. Je vais devoir vous affronter. Écoute pas ce qu'aura ton doji, s'il faut pas lui faire confiance, il veut juste t'utiliser en te donnant de l'argent contre des biens et des services, l'enculé. Et pourquoi devrais-je te croire? Tu m'as déjà trahi une fois. Maintenant qu'il m'en a parlé, je veux de ce pouvoir moléculaire rien que pour mes expériences. Ça me rendra plus fort et c'est tout ce qui compte. Non, le plus important c'est ton esprit et ta connexion avec ton Beyblade, et absolument pas le salaire que tu peux faire annuellement avec un métier afin de fonder une famille et de la maintenir dans un luxe relatif inhérent au premier monde. Tu devrais essayer de te servir de ta tête, c'est le Blader qui réfléchit le plus vite qui a gagné. Je vais te le prouver.
Sois pas débile! Kenta Yumiya, tu vas aussi te battre contre moi pour que je puisse observer tes capacités. Quoi? Un combat à deux contre un? Oh, ça ne me dérange pas que d'autres se rejoignent à la fête. Après tout, je suis un Blader Storm. Ah, alors, moi aussi. Pas de minable, s'il te plaît. Oh, c'est pas sympa. Non, le partenaire de combat de Kenta Yumiya semble prêt à passer à l'action. Je vois que ton launcher est déjà sorti, et au garde à vous. Tu es unique, Jinka. Pas besoin de me le rappeler. Moi, les combats de Beyblade Storm, ça me met une trique, mon gars. Alors, le moment est venu de découvrir la puissance du vrai Awoo. Awoo! Awoo! Arrêtez avec vos bruits bizarres. Tu crois vraiment que je vais te donner le bâton pour me faire battre? Tiens, tu vas goûter à cette saucisse façon hot dog comme ta mère hier soir, enculé. Tu vas saucer. Non, non, pas le tir orbital. Bon, ils veulent la jouer Storm, hein. Allez, à bout. Ils veulent la jouer à vous, moi je la joue à vous, hein. Moi je suis consignant, si tu veux. Eden, c'est Kenta qui est sorti, reste que des ennemis. J'en tiens. Ah bon ? Il l'a payé celui-là, il l'a payé très cher. Ah, il a la barrière. Et il est invincible aux attaques beublades ennemies. Ah non, l'enculé, bien joué. Vraiment une question de chance. On attend. La beublade. Moi, Kenta est toujours en jeu, Doji s'est fait sortir. Ah, il a le shield. Il peut pas subir de dégâts de Beyblade, donc je pense que les attaques super ça fait rien contre lui aussi. Ah merde. Il est malin, hein. Ah, il m'a sorti en plus. Vas-y, Kenta. Vas-y Kenta, faut clutcher là. Kenta qui clutch, hein. Kenta qui clutch, hein. Kenta! Le coup final, pédé! C'est ce que j'ai fait à ta mère vers... à ta mère hier soir! Sagittaria évacuable. Il a tout balancé. Il a tout balancé. Hein. Type facial. Oh là là, beaucoup trop de super tirs sur le terrain. Kenta va devoir clutcher. Aïe. Bravo. Bravo, pouf pouf. Top.
putain, mais encore! Ouais, laisse tomber. Si tu me fais sortir comme ça dès le début, ça sert à rien. Ça fait un ou deux points si j'abandonne? Un seul point, d'accord. Pas mal. Je tiens. Ah bon. Ouh, merci Thomas Mercer. Pour le moins, Oh, il me roule. Aïe. Counter à vous. Donc là c'est oh waouh, oh waouh. Ah. Enculé. À vous. Trop loin. Prums. Ouais. Tout va bien. Oula, tardif. Non, je me suis fait sortir, putain. Déjà, c'était rapide. Ouais, Kenta pourrait clutch, mais j'y crois pas. C'est leur point, c'est leur victoire, bien joué. Aïe, 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 aïe. Ah, wow. J'en ai un. Ah, wow. C'est Mamoru, il a perdu masse vie. Ouais. Et il gagne, tant pis. On réessaye une dernière fois, allons-y. Ça rapporte quoi les super tirs? Ça rapporte que tu fais plus de dégâts et que t'es invincible pendant le début du combat. Super tir. En plus je brille donc c'est facile de me repérer si tu veux. Bonus d'attaque. Ah il a mis la barrière enculé. Il est malin. Bon, c'est fini. Ouh. Voilà. Il y a du Friendly Fire, bien sûr. Sinon, ce serait pas Beublade. Évidemment qu'il y a du Friendly Fire. Alors, tout le monde a fait un tir parfait, là. Enfin, sauf moi. Sauf moi, alors que j'ai fait en même temps que tout le monde. C'est dégueulasse. Ah bon. Ah il a touché mon pote. Ah il a touché Kenta. Oh waouh. Oh waouh. Ah il l'a eu. Aïe. Bonk.
attaque! Tellement classe cette attaque. Chier. Ah! Bien joué. Bien joué, bien joué. Tendu ce combat. Wolf et Shield, ils sont pas mal, hein. Ils se démerdent quand même bien. Enfin, ils ont des bonnes beublades, hein, c'est ça que je veux dire. Je te tiens. Ah, wouh. Derrière, c'est craqué comme capacité, je suis d'accord. J'avoue que c'est absolument obscène. Oh là là, il la spam en plus, quoi. Ah bon ? Ah non ! Ah ! Il reste Kenta et Mamoru, mais ça va être compliqué pour Kenta. Surtout si Mamoru il a un shield si tu veux. Ah, il l'a foiré. Oh ça touche! Prends ça! La faciale du Sagittaire! Ferme la bouche, maman! Oh là là, Kenta! La tenue! Incroyable! Le clutch de Kenta, quoi! Ah putain! Incroyable! On s'est fait écraser! Mes capacités d'analyse sont loin d'être parfaites! Ces pouvoirs moléculaires ne servent pas à grand chose, non? L'analyse de Beyblade, c'est important, c'est sûr! Il faut acheter les magazines, lire ce qui est hype, regarder la télé et essayer d'être commentateur de matchs de Beyblade, mais l'important, c'est la manière dont tu te connectes avec ton Beyblade. Je pense que j'avais tort à propos des bladeurs tels que toi. Tu m'as rappelé ce qu'était être un vrai bladeur et ce qui signifie l'amour du Beyblade. Je te suis redevable pour ça, Kenta. Un esprit connecté à un Beyblade, c'est une belle idée. Ouais, mais fais pas des expériences cheloues, genre t'enlèves le cerveau d'un singe pour le connecter à un Beyblade. Excellente idée. Je vais m'y mettre dans mon laboratoire. J'ai appris tout ce que je voulais savoir d'être un beubladeur de quelqu'un dont j'aspire à être pareil. Quelqu'un dont t'aspires ? Ouais, il porte une écharpe blanche et il possède un beublade du nom de Pegasus. C'est le bladeur le plus fort que je connaisse. Feu. Je connaîtrais pas quelqu'un qui correspond à cette description. Kenta, il veut sans doute parler de mon père. J'ai l'impression que tu as rencontré un bladeur extraordinaire, Kenta. Il a effectivement l'air d'être un gros protagoniste. J'espère qu'on pourra faire des combats très bientôt, ok ? Ce serait super. On dirait que Kenta a réussi à ramener Mamoru à la maison. Plus qu'encore que deux connards et on pourra affronter le boss de fin pour se casser d'ici. J'ai la dalle. Désolé de m'incruster dans cette conversation émouvante à souhait, mais on a encore une affaire à régler tous. Doji! Kenta, je dois dire que je suis surpris de voir à quel point tes capacités ont évolué.
Et je suis profondément déçu par ma dernière recrue. Se faire battre par un adversaire aussi faible, c'est à croire qu'il n'a pas sa place dans la meute. À vous. Tu peux dire ce que tu veux. Prépare-toi au combat, Sagittario. Comme tu le souhaiteras. Par contre, il va bientôt se réveiller, tu vas devoir m'excuser. Ok ça. Non, pas Ryuga. Tu le rencontreras bientôt, et alors, tu sauras de qui je parle. Eh, hey, sois plus précis, Toshi. Après tout, j'utilise ton Beyblade depuis le début, tu peux lâcher les infos. À bientôt. Mais il se barre. Bah oui, mais il faut lui casser les genoux. Nouveaux éléments de Beyblade sont disponibles. Sushi aussi, le grand ours. Ah, ça fait longtemps qu'on l'avait pas rencontré, lui. Hein. Genre... Merde. Faut suivre les patchs, ouais. Ouais, depuis le début, hein. Quel point on va lui faire, lui? Bah, la même que le petit lion, parce qu'on s'en bat les couilles. Que se passe-t-il? Y en a d'autres? On dirait bien. Alors, j'imagine qu'on va devoir remettre notre combat à plus tard et les affronter ensemble, hein? C'est une bonne idée. Ça fait longtemps que je me suis pas amusé avec Donabo. C'est fait fort pour réussir à arriver jusque-là. C'est qui ces connards? Aucune idée, mais ils ont l'air d'être des gros bladderstorms, tu vois ce que je veux dire. Fais attention à ce que tu dis, gamin. J'ai éliminé un paquet de bladders avant d'arriver jusqu'à la zone face bolt. Ouais, la zone faciale, effectivement, ça se voit sur ta tronche un peu, hein. C'est pareil, hein, tu tiens ça de ta mère sans doute, hein. Nous sommes les derniers à vouloir obtenir les pouvoirs moléculaires. Une fois qu'on vous aura battu, j'utiliserai ce pouvoir pour devenir encore plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver aussi loin. Mais si t'es le plus fort, à quoi te sert le pouvoir moléculaire, connard? J'ai hâte. Regarde Yoma, ses yeux ont repris cette couleur bizarre. Alors, c'est qu'il n'a toujours pas retrouvé son état normal, ou alors il est sous hypnose. Et comment tu peux deviner qu'il est sous hypnose? Parce qu'il est... Enfin... Parce qu'il est comme moi, il a lu suffisamment de doujin pour savoir d'où ça vient et où est-ce que ça va finir. Il n'y a qu'une seule solution. Ouais, on n'a pas d'autre choix, c'est l'heure de la vengeance. Bien sûr, si tu le crois, c'est fort, mais je peux pas perdre ce combat. On sait, et on s'est pas déjà rencontré quelque part, je me trompe. Quand est-ce que tu vas arrêter de nous harceler? Si tu crois pouvoir m'arrêter, je suis ton homme. Écrase-le, Bern. On fait une petite sieste et voilà ce qui arrive. Ne va pas imaginer que tu peux me faire peur. Tu n'as même pas d'animation avant de lancer ton beublade. Ça, c'est la véritable pose d'un bladder. Allez, on va les exterminer. Gros Pegasus, ouais. Lynx, allez. Go, Lynx. Bon début. Tiens! Taux de pénétration est maximal! Purposeful insemination! Et l'ovule. La salope! Vas-y, bélier, l'attaque du bélier. Ah!
bien tenté, mais c'est pas avec une baise aussi faible que tu vas pouvoir faire quoi que ce soit. Regarde ça. Facile. Allez, lancer parfait, voilà. Endurance. Ah bah, ça doit être pratique pour les mamans. Aha ! Prends ça ! Purposeful Impregnation ! On avait dit pas les mamans. Je ne vise que les mamans. Je te tiens. Allez, 10 secondes quand même, hein. Purposeful Impregnation. Quelle technique incroyable. Le bébête de Jinka envoie un spermatozoïde. Un seul, mais un gros. Ouais, le genre de spermatozoïde qui est allé à la salle. Ce genre de spermatozoïde qui ne peut dire que le mot way, si tu veux. Way. Du way. Oh. Alors qu'est-ce t'en dis, Yoma? Ça, c'est un vrai combat de beublade. Le bladeur et l'esprit de son beublade ne faisaient qu'un. Un bladeur, l'esprit du beublade. C'est ça, souviens-toi, s'il te plaît. Je doute. Essaye encore, souviens-toi de Coma. Rappelle-toi nos combats de beublade. Rappelle-toi nos nuits torrides. Cet été, à Madrid. Souviens-toi, le moment où j'ai pu glisser ma langue sur tes lèvres. Le moment où tu as entrouvert ta bouche pour me laisser passer et enfin lier nos âmes dans ce geste mutuel de plaisir incroyable. Souviens-toi de la caliente de la nuit. Coma. On a grandi là-bas, toi et moi, Pegasus et Harris. Pegasus et Harris? Ah, ma tête va exploser, vous avez pas d'oliprane? Creuse encore, Yoma! Creuse! Creuse? Tu m'as dit la même chose lorsque... Oui, souviens-toi! Lorsque j'ai exploré ta molaire gauche. Oui, j'avais perdu... ton plombage. Ne te laisse pas battre par quelque chose aussi pathétique que ses pouvoirs! Oh! Yoma! Oh! Oh. Yoma! Ah, ah, ah. Yoma, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, ses yeux sont revenus comme avant. Alors, il va arrêter de faire l'enculé maintenant ou... L'enculé, je sais pas, mais Yoma... C'est bizarre, tu sais, je t'entendais m'appeler dans un rêve. Quoi, Jinka? Oui, d'une voix vraiment déterminée. Et ravissante au passage. Ton attaque de Beyblade a permis à ton esprit d'atteindre le cœur de Yoma, Jinka. Jinka, je ne sais pas comment tu fais pour rester avec une telle créature. Quoi? La gonzesse? Oui, c'est... répugnant. T'occupe pas d'elle. Je suis déjà content d'avoir retrouvé mon ami. Merci, Jinka. J'y crois pas une minute. T'es encore là? Mais tu comprendras donc jamais, tu seras à rien, gars. Tous ces autres beublades en comblement, le mien est le seul qui en vaille la peine. Salut, avec qui tu veux te battre, connard, hein? Tu peux pas te masturber avec ton propre beublade? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te prends une couille, tu la tournes? Hein? La seule chose qui rend le beublade amusant, c'est de pouvoir faire des combats contre d'autres bladeurs, non? Quand on perd, on pense qu'au prochain combat, on essaie de s'améliorer avec son partenaire. Aucun beublade peut satisfaire d'un bladeur qui essaie de devenir meilleur artificiellement à l'aide de la science.
qui compte vraiment, c'est la façon dont ton esprit est connecté à ton beublade. Le pouvoir moléculaire n'a aucun intérêt s'il ne peut pas protéger ta mère de se faire enculer. Mère l'enculaire. Arrête de me faire la morale, avorton. Qu'est-ce que tu sais de tout ça? Tu mérites pas qu'on t'appelle à Blader. Ton t-shirt est complètement fumé. Tu portes une veste dégueulasse qu'on dirait tout droit sortie de Mobile Suit Gundam G. Et t'as même pas plus de ceinture que ça. C'est donc ça. Alors que pensez-vous de ce Blader? La minuscule pile électrique Kenta Yumiya. T'as perdu. Je pense que j'ai perdu de vue le côté amusant du beublade à cause de mon obsession de vouloir devenir plus fort. Écoute l'avorton, je veux dire, Kenta. Oui? Je voudrais bien faire un B-combat contre moi quand on sera revenu sur Terre. J'aimerais bien voir cet acharné à l'œuvre dans le stade. Bien sûr, on le louera tous les deux. Il va falloir taper dans nos économies, c'est 9000 euros la soirée pour louer un stade entièrement dédié à le beublade. N'oublierai pas ce que tu m'as appris. Oh! La forteresse tremble! C'est parce qu'on a détruit les orbes de puissance de toutes les zones qu'on a traversées. C'est con, mais à force de péter les systèmes de générateurs d'électricité, au bout d'un moment, ça va tomber, les mecs. Oh. Tu vas bien? Accroche-toi à moi. Ah, loin de moi, espèce d'horrible créature. Fille de Satan, démon. C'est pas bon signe. On se barre. Je vous rejoindrai dès que j'aurai assemblé tous les autres bladers de l'endroit. Pendant ce temps, continue d'avancer jusqu'au scientifique qui est derrière tout ça. T'étais au courant que c'était un scientifique? Oh, des nouveaux éléments de beublade. Allez, encore un petit combat beublade histoire de débloquer des pièces. Allez, heavy beublade. Come on! Super tir! On s'en lasse pas. C'est pire que Hearthstone. Ouais, je me suis fait virer, c'est dégueulasse. Ce jeu est nul. Come on! Boom! Allez, suce-moi la bite! Oh! Ça marche! J'ai été téléporté, je suis dégoûté. Ah, j'ai pas eu le temps. Je voulais faire l'ultra, mais j'ai pas eu le temps. Ok. Allons-y. Hitler avait raison. Oh, ça passe. Incroyable. Les vrais strats. Oh, ça l'a viré.
Tiens! Ah putain! Pas de chance. Ouais, c'est mort. Bien joué. Mec, j'étais en train de boire. Allez, la bite, c'est bon pour la santé. Super tir. Ah non! Ah, je me fais virer les couilles pleines en plus. Hein. Je me fais virer les couilles pleines, j'arrive plus à parler aujourd'hui. C'est chaud, hein. Allez, Hitler aime la bite! Ah, non. Dommage. Kaiten, Kaiten! Raté! Ah, ça touche! Ça touche! La faciale du Sagittaire! Mais ben voilà, il a carie! Il a carie si tu veux! Nouveaux éléments Beyblade sont disponibles, yes, c'est ce que je voulais. C'est ça que je veux, on veut des nouveaux éléments Beyblade.